Salut à tous, c'est Mamoun sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour Mono Bleu Dévotion. Je ris, je ne sais pas trop pourquoi. Parce que j'ai lancé vite la vidéo avant qu'il soit prêt. Voilà, c'est rigolo. Mono Bleu Dévotion, pour le coup, beaucoup moins attendu que Mono Noir Dévotion, qui Ouais. s'est tout de suite placé comme un peu un deck to beat, un des decks forts de la méta. Mais Mono plus Bleu rigolo. Dévotion, bien plus rigolo, qui fait des trucs bien plus à côté, expérimental, vous voyez. Ouais. Magic, c'est un peu un plan de jeu, un peu aggro, contrôle, midrange et ça. Ça, c'est vraiment, tu vois, Ça plus c'est slalom. en fait c'est Nissa Crasis sans Nissa Crasis. C'est vraiment je vais ramper et jouer des payoffs très très chers. Ouais, Et mais sans jouer je vais essayer de Nissa le faire de Crasis, manière exactement. très étroite et très linéaire. C'est pour ça qu'on va tester le deck en BO1, qu'on fait pas une deck tech parce qu'on n'a pas Pas de pratiqué le side non deck, plus. qu'on n'a pas vu le deck parfait en tournoi. C'est vraiment juste l'archétype existe, il nous a été donné grâce à Theros. On va Comme partir ça. le tester en Tenez, BO1 prenez. pour que vous voyez un petit peu la mécanique. Et si vous trouvez le deck fort, à vous un petit peu de chercher à droite à gauche, de vous renseigner pour adapter le deck en BO3 et partir en ladder pour conquérir les hauts rangs. Voilà, évidemment. Les gens de haut rang. Du coup, voilà, avant de commencer à parler de cette decklist card par carte, il y a toujours le petit lien Utip si vous voulez nous soutenir, mais surtout il y a le code VAEPL sur la boutique, VAEPL 2020, pardon, sur Magic Bazaar. Le lien dans la description de leur boutique, il y a plein de choses et d'autres. J'ai découvert qu'il y avait une foultitude de nanoblocks, pour ceux qui connaissent. Ce sont de tout petits Lego et c'est dingue. Voilà, j'ai regardé ça, j'étais émerveillé. Donc n'hésitez pas voilà, à l'utiliser si jamais vous souhaitez passer commande chez eux. Vous recevrez un booster équivalent à au montant de votre panier, du coup, comme indiqué là. Et voilà, merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui Merci l'utiliseront. beaucoup. C'est disponible, enfin c'est utilisable par tout le monde, une fois par contre, nouveaux et anciens clients. Merci à tous. Cette decklist, du coup, quel est Yes. le but Ah du mais propos? rappelons aussi qu'on a un code créateur. Code créateur, Code créateur, Magic hein, Arena Magic FR dans la Arena boutique FR. Epic Games C'est Store. Si vous tellement... l'utilisez au moment de n'importe quel achat, il y a une petite partie qui peut nous être reversée. Je dis n'importe quel achat, mais non, pas n'importe quel achat pour le coup. Est-ce que je Mais crois que c'est n'importe quel achat sur la boutique de l'Epic Game Store? y a une liste, donc non, c'est pas n'importe lequel. Il y a une liste qui est Ouais, définie? ça Ok. comprend énormément de trucs, mais il y a D'accord. des trucs qui marchent pas. Ok. Bon là, je peux quand même le préciser parce que je trouve ça à la fois rigolo et possiblement intéressant s'il y en a qui utilisent ce service-là. Si vous Ben voilà, passez ça par ne vous ça, ouais. coûte vraiment rien. C'est juste vous mettez notre petit nom. Et en plus, cette fois, ce n'est pas usage unique. C'est à chaque fois que vous passez un achat. Ouais, donc ça fait plaisir. Du coup, ce qu'on a dans cette petite decklist, je suppose que le but c'est de tuer avec Oracle de Tassa en ayant pioché énormément de cartes. Ou même Masmanip et Agent. Ou alors Masmanip Agent, mais ça pour le coup on tue avec les cartes des autres, c'est moins Ouais. sûr. Alors que ça c'est sûr, Ça, c'est ça sûr qu'on va tuera. réussir à gagner avec ça à un moment donné. Ouais. Yes, qu'est-ce que ça fait? Donc pour deux mana bleus, on a une 1-3 Ondine Sorcier qui dit que quand elle arrive en jeu, on regarde les X cartes du dessus de notre bibliothèque, X étant notre dévotion au bleu, donc dans ce deck ça va être beaucoup. Ensuite on met l'une d'entre elles au-dessus de la bibliothèque et le reste en dessous dans un ordre aléatoire. Et si X est supérieur ou égal au nombre de cartes dans votre bibliothèque, on gagne la partie. Donc en gros, si on regarde toutes les cartes de notre bibliothèque, on gagne la partie. Je trouve ça assez stylé. Il y a un petit côté RP dans cet effet. Pour ce faire, du coup, on a beaucoup de trucs qui vont donner de la dévotion. Type Briscard, Gadwick, donc l'oracle, Feubletup, Hibou, Tassa, Agent de traîtrise, Emprunteur intrépide, Kiora. Voilà, tous ces permanents qui donnent pas mal de En dévotion. fait, on joue les permanents qui donnent la dévotion et on joue d'autres permanents qui synergisent avec notre plan de jeu. Déjà parce que ce sont des bonnes cartes bleues, notamment l'emprunteur intrépide, parce qu'il faut quand même avoir de l'interaction. Tassa, parce qu'elle va permettre de blinker bah, par exemple nos oracles ou nos agents de traîtrise ou nos hiboux de l'arcaniste pour refaire leurs effets d'arrivée en jeu. Et la carte pièce, la carte maîtresse du deck, c'est ce Lotus de Nyx qui va nous faire énormément de mana qu'on va pouvoir dégager avec Kiora, l'amendeuse de Behemoth, pour refaire énormément de mana. Ça nous fait entre guillemets X mana, X étant notre dévotion au bleu. Donc voilà, tous les symboles de mana colorés bleus que l'on a dans nos permanents, entre guillemets, les terrains ne sont pas compris évidemment. Et ça nous permet ben, voilà, de faire des Gadwick qui va piocher 10, 15, 20 cartes, vider notre bibliothèque, jouer un oracle de Tassa pour gagner, ou alors faire une masse manipulation et prendre tout le board de notre adversaire. Hop C'est très là. rigolo, vraiment, c'est une mécanique ramp, mais en mono bleu, c'est contre-intuitif de ouf. Donc je trouve ça très intéressant et très rigolo Ouais. à voir ce que ça peut donner quoi. Très cool. Et le hibou de l'arcaniste, vraiment MVP, qui donne 4 de dévotion au bleu, qui permet d'aller chercher Tassa et Lotus de Nyx. Donc c'est vraiment très 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 bien dans cette decklist. C'est ça. En plus, c'est une 3-3 fly, donc ça fait plaisir. Et ben, je crois que tu as tout dit en fait, hein. Pas grand chose à dire. Non. D'autres sur la Quatre decklist, châteaux de 4 châteaux de Ventresse. Quand on Ventresse, joue monocolore, c'est on veut super de scry. pouvoir jouer les terrains de Throne of Eldraine parce qu'ils sont tous très très forts. Et ils sont très costauds en plus. Et ils sont très costauds. On va partir sur le ladder. Allez, let's go. Ladder, ladder. Tac, tac.
On part sur la non classée. Ouais, on connaît pas le On deck, connaît donc pas. On va voir ce que ça donne. je vais essayer de pas trop chier mon rang, je suis pas loin du mythique, alors T'es diamant là? je suis diamant 2, Oh, donc il est trop il me reste fort. 6 games en fait pour mythiquer. Ready, on joue contre Malteg. Est-ce que c'est un guerrier Gothé-Malteg? Bah écoute, probablement. Oh, elle est bien cette main. On va regarder cette main. Et j'avais pioché. Je vais jouer A noter que Kura ne sert qu'à cette détaper le chose. Lotus de Nyx, malheureusement dans la decklist, c'est-à-dire qu'en gros, elle ne fera pas piocher sur des créatures qui arrivent à 4 de force. Non, mais par Il y contre, a. elle peut juste dégager un land aussi Oui, elle fait. pour faire une accélération de 1. Elle fait accessoirement ramper un petit peu aussi, évidemment, donc elle est plutôt bien. Il y a des versions qui jouent le cavalier bleu, parce que ça fait piocher des Le cartes sur Poundsplouf. le Poundsplouf d'Essica-Sacy-là. Parce que ça fait piocher une carte sur Kura et que ça permet du coup d'avoir un effet aussi de draw reshuffle pour trouver le Lotus. Je pense que les deux cartes qui sont mises en compétition, c'est le Hibou ou le Poundsplouf. À vous de choisir. Voilà, testez les deux. C'est pas mal ça. C'est bien. Ah, on va piocher sur Tassa quand même avec Kura. Attention. On va piocher sur Tassa. Est-ce que ça dépend comment ça ordonne, parce que quand elle arrive en jeu, si elle n'est pas créature, On piochera je pas. sais pas si on pioche. Ouais, faut voir. Parce qu'elle est créature jusqu'à être sur le champ de bataille. On va le savoir de toute façon. C'est ça qui est Yes. intéressant. Là je vais jouer Kura. Ouais, et on va aller mettre des points. On a l'air de tomber contre bleu-rouge double draw. Ou bleu-rouge, je joue pendant le tour de l'adversaire. Ouais, étanchement, ok. Ou alors juste ils aident flash. Dans ce cas-là, bah, pars sur le ladder, poteau. Viens pas nous embêter. Il fait ses petites quêtes, le monsieur. Il est très beau, cette montagne. Elle est Ah, très elle est belle, jolie, pardon. ouais. Un point. Et bah, un point. Et Tassa va être contrée, donc je crois que je vais juste Tu passer. fais Gadwick à 1 alors dans ce cas-là. Je vais faire Gadwick à 1, je peux Ouais. aussi faire Pulletup. Hein. C'est pour 2, je vais piocher 1 pareil. Ouais, on aura emprunteur fin de tour. Ok, vas-y. Hop là, oui. Il est légendaire, je sais. Je suis au courant. Regardez celui qui est d'étape. Ok, Ok, on cool. trouve encore un land, c'est bien. On veut poser des landes tous les tours dans ce deck. Ouais. C'est dommage que Gadwick ça soit pas casté. L'avantage d'une carte comme Krasi, c'est que même si elle est contrée, vous allez faire son effet. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de mana, mais nos spells sont pas sûrs de se résoudre. Et ça, c'est un chouïa dommage, quoi. Ouais. Alors, on joue bien contre Izzet Flash, visiblement, vu qu'il nous a joué un Surgissement de râle. surgissement de Ral, donc Je propose encore un point. ça fait un peu chier. Là, Là, tu je vas faire proposais Gadwick à 2, Gadwick à parce que 5, j'en ouais. ai plein, plein dans la main. J'en ai marre de Gadwick même, dirais-je. Ouais, ça dégage. Ok. Yonaïs, il faut qu'il vide sa main de toute façon, monsieur. Ouais, après on lui propose beaucoup de plaies impactants. On aura peut-être plus de plaies impactants qu'il n'a de contre. Donc ça devrait pouvoir le faire. Là, ce qui est bien, c'est que chaque land, il résout son Gadwick. Ok. Ça va nous permettre de résoudre ce qu'on veut. Il a bien raison, on va résoudre le Bah, nôtre. le nôtre à x égale 3. Ouais. Du coup. Hop là. Bonjour. On repioche un Gadwick. Voilà, on l'aura tout su. On n'a pas ni hibou, Ni ni Lotus. lotus de Nyx. Ouais. Ok. Il joue plein de surgissements de Ral. En même temps, Ouais. c'est une très bonne carte. Là, son Gadwick, le Pook, ça jouait en main phase. Du coup. Ouais, pour pouvoir tuer le nôtre, engager notre Fibultup, nous passer 3 points. C'est pas mal. On peut. J'ai 7 mana. Alors, on Je sait peux qu'on va faire pas se Kura, bah prendre. ça, Voilà, on va Tassa. pas se prendre de contre ici. Donc est-ce qu'on n'a pas envie juste de Kura Tassa? On peut se prendre un Et en contre. Hein. plus on a. Ouais, c'est vrai qu'on peut se prendre un contre, effectivement, Ce mais. que je veux le plus résoudre, c'est Tassa, je suppose. En fait, on a moins de chances de prendre Yonais ici, donc. Ouais. Ouais, je pense que c'est Kura que tu as envie de résoudre, ouais. Alors, si c'est étanchement, il faut que je commence par Tassa, par contre. Qu'est-ce qu'il aurait comme contre à 2 Et irréversible? pourquoi Il on a rien, je voudrait, crois. pourquoi est-ce qu'on veut résoudre Tassa ici pour être sûr de résoudre Agent Traite si Il je me ne plante un le, contre? la gère plus en fait. Il n'y a que des boons après pour la gérer. Ouais, mais je veux dire, elle fait pas grand-chose, tu vois. On board, là, elle fait rien. Ça nous fera piocher avec le fin de tour. Bah vas-y t'as ça alors tu tournes plus autour des contres effectivement, tu tournes autour d'étanchement donc c'est validé. Par contre on saura jamais pour la science si on pioche une carte sur le Kura. Du coup, non. Là, je crois que j'ai envie juste de garder emprunteur au cas où il joue un spell fin de tour de bouncer son Gadwick, non? Ouais mais ça lui permet de le rejouer, de se commit, de piocher plein de cartes. Ah, mais Ah, s'il après se commit, s'il on fait ça on lol. a agent. Ok vas-y, ça me va. Je pense que c'est ok, non, de faire Ouais fin de tour. c'est ok. Enfin, de mettre un point quand même. Pas plus cher. De bien manger? Ou de bien tout. Et il peut nous engager, t'as ça, tiens, avec Gadwick. Ouais, Ça fera rien, mais. ça sera vraiment pas dingue. Pourquoi légendaire avec un S? Aucune idée. Légendaires enchantements. Ah, Boon, c'est ça.
Du coup, elle va revenir et sera capable de bloquer. C'est une petite application supplémentaire de l'effet de Tassa. Et c'est Bing. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on a ça. Bien joué ça. Ah, bah c'est Bouncé là, le petit Gadwick. Ouais, je crois que je vais dégager ça. Ouais. Ou je peux bouncer son surineur. Non, c'est Moi, Gadwick, je c'est préfère mieux. son Gadwick, comme ça il Ouais. se commit dedans pour qu'on puisse le piquer avec Agent, plus lui piquer son surineur grâce à l'effet de Tassa. S'il fait pas attention, le coquin, on peut vraiment le cueillir là. Là, s'il se dit, oh bah ils sont cons, je vais piocher 4. N'hésite pas. Ouais, Ouais. du coup, voilà. Et il ne peut pas Et... rejouer son Gadwick. Paf, on va mettre des petits points, je crois. Moi, je crois aussi. Un point. Enfin, des petits points. Un Un petit point. point. Et on lui propose le plus gros Gadwick de la Terre? Alors moi j'ai envie de garder 4 manas pour pouvoir engager la bête et arrêter de prendre des points. Donc on a 6, 7, 8, on fait un Gadwick à 1, je te propose. Ouais, ça me On va. a encore un autre en main. Ok, vas-y. Ça C'est évite de se histoire prendre des contres. d'appeler le contre, en fait. Ouais. C'est vrai que la Tassa, ça bloque bien son board aussi. Hein. C'est une application supplémentaire encore à Et la elle va carte. devenir créature. Ok, Ionize. Ouais, let's go. Et fin de tour. Ouais. On va encore piocher une carte. C'est bien quand même. Hein. Ouais, la petite interaction très sympa. Feultub, je me disais, ouais, c'est juste un drop 2 qui fait de la dev et qui fait piocher, mais non, ça. Ça permet C'est très aussi d'avoir un récursif, effet blink sur Tassa qui nous permet littéralement d'avoir une arène Phyrexiane en fait. ouais. Il va essayer de le gérer, il en a marre qu'on pioche. Il veut renvoyer le permanent. Ça m'arrange pas, ça. Non, ça t'arrange pas. Après, on aura un Ça a chum rien block payé avec. 4. Non, vas-y, ok. Ben, je vais dire ouais. On va pouvoir chumper. Il avait encore un spell à 2. Faut s'en rappeler. Bon, il doit avoir un étanchement là qui. Qui traîne. Bah, de toute façon, on va le checker en posant notre emprunteur fin de tour. Hein, de toute façon. Il pourrait décider aussi là de Gadwick, mais pas un gros coup de mana, jouer une carte pour engager notre Fubultube et nous mettre 4 points. Oui, c'est le 3. Ouais, il va, ils sont cargués. Fin de tour emprunteur. Alors, c'est chumpé. Et si jamais il nous contre, on a gagné la partie en fait, parce qu'on passe masse manipulation sur ces deux permanents. Ouais. Il nous contre pas, il a bien Si on est conscience. sûr qu'il a étanchement avec ces deux manas, je peux quand même faire une masse manip et prendre les deux. 7, 8, 9, Non, 4. ça peut être negate, hein, mais. Ah merde. Et non, là, on. Il manque un mana en fait Ouais. pour prendre les deux et être safe. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire Argent de traîtrise, on a deux bêtes, on vole Gadwick. Ça me va. On tourne autour d'étanchement en tout Et on tourne cas, et autour on tourne d'étanchement. autour de negate, donc Ouais. c'est vraiment très Je vais bien en proposer fait. 3 points déjà. Parce que je peux pas bloquer. Ouais. C'est vraiment très bien, Agent de traîtrise ici. C'est un spot, ça prend seulement capture d'essence. Je vois le Gadwick. Ouais. Et je vois pas qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre. Ouais, non, il est obligé. Hein. Et ouais, on est obligé de prendre Gadwick, sinon il va engager tous nos bloquants. Et ça va être l'enfer. Il n'a pas engagé en réponse. Il va le bounce. Il va pouvoir. Gadwick, ça j'engage. Ouais, mais Je mets s'il fait pas 5. attention, on a Mass Manip qui punit, quoi. Ouais. S'il tente des plays un peu létales, ça le source en fait. Ça le met dans la sauce. Bon, après, c'est typiquement le genre de match-up horrible qu'on veut pas affronter. Hein. Non. C'est quand même très compliqué, là, de battre ce que notre adversaire fait. Pas de bloc. Non, ouais, je crois qu'il n'y a pas de bloc, ouais. On peut aussi Tassa qui blink agent de traîtrise, si on est sûr. Enfin, il a pas réussi à contrer notre agent. Il peut probablement pas contrer la Tassa. Donc, pas de bloc. Et il faut voir si Tassa est pas mieux que Mass Manip ici. S'il a surgissement de râle, on a perdu. Ouais, Il l'a après il en pas. a déjà passé deux, donc Ouais. c'est une carte que tu joues pas en plus de deux exemplaires On a 10 normalement. mana. Tu peux essayer de faire ta ça? Du Alors, coup. il faut qu'on tourne autour de combien de contres? De Yonai, ça contre tout. Ouais. Negate, ça contre pas Tassa. Non, parce qu'elle est créature. Si, elle est créature enchantement, donc ça contre. Je crois. Ouais. Bonne question. Ah non, c'est quoi le texte de Negate? C'est un spell non créature? Ouais. Donc Alors non, normalement ça ça contre contre pas. pas Tassa, donc on tourne autour de plus de cartes avec Tassa. Par contre, s'il a anti-bête ou ne serait-ce On qu'un peut essayer de boost, on a faire perdu. Tassa Hibou. Ouais, je pense qu'il faut faire Tassa ici. Tentons Tassa. Et s'il a Ionize, il nous reste 6 mana pour prendre son Gadwick. Hibou? Et bon, je crois qu'il faut prendre Ibu, ouais, effectivement.
Lionize. Ouais. Peut-être que garder 4 mana pour engager, c'est peut-être meilleur, je sais pas. Non, ça me choque pas là. On est obligé de mettre 3 points. On a perdu. Pour. Mais il a deux attaquants, on n'a qu'un bloqueur. Mais on va blinker notre Tassa. On va blinker notre agent avec Tassa. Ah, bien joué. Ouh, j'ai failli concéder. 3 points donc. Ouais, c'est pour ça qu'on joue Tassa à la base. Ah, j'avais oublié. On va blinker Ouais, ça. on va blinker ça. Et on vole quoi le 3-3? Et je crois qu'on est toujours obligé de voler Gadwick pour pas mourir, ouais. Ouais. Hop. Malheureusement. Ok. Ah oui, je me suis juste dit, en fait, moi, j'ai oublié, je me suis dit, on m'a juste une 6-5. Ah, Bon, bah, bon, bien joué. il avait Jean Krakos. Ok, bah c'est pas grave, passons à la prochaine. Je Ouais. pense que c'est très Mais difficile le match de était battre mon intéressant deck. quand même, hein. Ouais, il y avait Après, des trucs à bon, faire. en fait, nos trucs passent pas, donc... Bah, c'est dur. Par contre, si tu nous laisses faire... On a essayé un peu de le mettre dans une sauce en mode il peut pas, il doit faire des choix bizarres. Ouais. Mais en fait, il a juste pioché 1000 et il avait un compte tous les tours. Ouais, t'as voulu mettre De l'autre mode un... bonbon. T'imagines, t'es en face d'un joueur de Magic et tu dis, hey, tu veux venir dans ma béchamel? Et à te dire, bah non. Ah, je vais rester là où je suis. Est-ce que c'est bien ça? On n'a que 24 landes, c'est pas dit qu'on trouve le troisième. Parce qu'un troisième land, ça permet de jouer Kiora, de détape pour faire des plays. Vas-y, go. Il joue en Ouais, premier en faut plus. chatter, de toute façon, on joue un deck bizarre, donc. On joue pas un deck Ouais. classique. Ah, on a encore deux draws pour trouver un land, sinon c'est compliqué. Ça se fait, hein. Ah. Vont nous Très bien emmerder. pioché cette Vont nous Kiora. emmerder jusqu'au bout, eux. On joue que de la discard au décontre, c'est un peu Pourquoi les là. mecs jouent ça en ladder non classé? Soyez respectueux et sympa, allez en ladder classé Jouer des trucs pour rigolos, jouer des vrais merde. decks, bah ouais. Et si jamais il y a le poids du deck, le jeu s'est dit quoi? Mono bleu dev? Bah C'est en vrai on insane. joue que des bonnes cartes dedans. Ouais, mais C'est normal. mise ensemble, ça fait Ah mais pas lui il sait pas lui. le deck Lui il de ouf, voit tu vois. ah, le mec joue plein de rares. Il a enlevé Tassa, et il doit pas la Genre gérer. on doit jouer plus de rares qu'un deck contrôle classique. Il faut piocher une petite Si tu comptes pas les île. landes. Ouais, il faut piocher une petite île, on avait deux draws pour piocher une petite île. Bon. On pouvait piocher une île sur 3 droits. Bah ouais, C'était c'était. pas déconnant. Non, c'était pas déconnant. On pouvait piocher Feu Bull Tube qui faisait piocher aussi. Ça faisait piou piou Oh, on joue contre Staxu. piou. Sutin que su. Sutaxusu. Allez, let's go. Hop. Garvike. In of true. Oh, s'il avait pas ce Jean Krakos, je pense qu'il était pas bien derrière lui. Hein. Oui. Le coco là, le Oui, cocorico. oui. Bien joué. C'est pas grave, on a un doublon. On refait. Ah, il a pas de lande non plus. Franchement, on est à Ah, égalité. ça va. Il n'y a pas de soucis. On commence, on joue On une va game de faire Magic là. Lotus de Nyx après. Ou peut-être Hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Coucou, hibou, connard. Putain. Merde! Il est chiant lui. Ah, bah voilà, on fera pas Lotus du coup, C'est pas grave, on va le trouver. ça Allez. répond à la problématique. Hibou. Hibou. Eh ben Oh, il se Lotus. trouve lui-même. Il trouve ses bottes. C'est beau ça quand même. Hein. Oh, Lotus quand même. J'aime bien ce hibou. Et là, du coup, c'est Lotus qui fait 5 mana. Hein. Ouais. Bah, il... Ah oui, mais il le fait direct grâce à Kiora. Si on trouve un landon. Magico. Oui, c'est vrai. On va le trouver. Oh, on va lui mettre une sauce à lui. Ah, j'avoue. Merde. Du coup, il fait plus rien notre Lotus si tu sacrifies le hibou. En même temps, si Mais. sacrifie Kiora, Oh, ouais, c'est fait dur plus rien aussi. non plus, quoi. Ouais, vas-y. Hein. Eh ouais. Eh ouais. Ah, on peut bounce ça, c'est pas bien. On trouve pas de land encore. Bah écoute, moi je vais faire un Gadwick pour piocher une carte, hein, je crois. Là, mais du coup, on entretient sa merde là. On veut entretenir sa merde. Bah il faut trouver des lands de toute façon, sinon là on est Ok. juste lock et on perd, je pense. Ok. On n'a pas mis de land dans le deck. On est Ne nous dis 24 pas là. joli, d'honnête MacBonbon. Vraiment, ne joue pas avec mes couilles là. Il tue Gadwick et du coup il tue Nissa. Kiora, pardon. Bon bah là on va passer notre tour. Bah, en vrai, j'aurais pu jouer ça en instant si vous voulez vraiment la garder. Non, je pense que c'est bien de passer Ah, le un tour. Tu land. peux jouer Lotus? Ah non, on doit sacrifier aussi Lotus. Hein. Ouais. On peut masse manip rien. Ouais, on peut faire x égale 0, il se passe rien, go. Ouais. Donc on Non, va mais faire fin de vas-y, tour. vas-y, fin de tour.
va devoir sacrifier son serment de Gaïa. Et à un moment, il va devoir nous rendre notre Cura aussi, si vous l'entretenez. Ouais. Mais non, on va le faire péter là, là. Sinon, Péter fin de là, tour, je peux faire là. Bounsa, comme ça, à mon équipe, je défausse ça. Pas bien. Non. J'aime bien cette Pourquoi j'ai mis un bénédiction stop? de traîtresse. Ok. Oh, il perd un PV. Yes. C'est vrai que c'est comme ça qu'on va le tuer en plus. Oui. Eh ben go. On va défausser. Ouais. Non, ça sert à rien contre lui. Oh bah. Ah ouais. Ouais, ok, vas-y, enlève ça. C'est dommage d'ailleurs, quand même. Ça sert à rien. C'est dommage Ah. de prendre des counter decks. Gadwick, c'est bien, non? Gadwick pioche 2. Ou je peux Oui. Lotus engager, en espérant qu'il ne gère pas. Et quand je vais détape, je jouerai genre des trucs pour faire du mana. Genre hibou, c'est gratuit du coup. Ouais, peut-être que c'est le plan, ouais. Ok, Je ok. Ouais, tente. vas-y. Ah, c'est légendaire d'ailleurs. Moi, je pensais avoir 4 Lotus sur le terrain et faire. Allez, faire 46 mana. Pourquoi il nous dit oups? Ouais, il concède. En plus, il est énervant, donc je déteste. En plus, il nous casse les couilles Ah ouais. pour parler franchement, c'est bon Écoute, quoi. Donut Mac Bonbon, toi, continue à jouer sur le ladder non classé. On veut pas de toi, de toute façon, sur le ladder classé. Voilà. Voilà. Non, parce que les jolis et oups, Ouais, ça suffit ça va quoi. 2 secondes, quoi. Gessim 410. Alors, un mec qui ne joue pas de contre et de défausse, s'il vous plaît. Ah, c'est mouillé, c'est de la merde, ça. C'est mieux. C'est mieux, Yakura. Ah, vas-y, enlève Mass Manip. Ouais, c'est de la merde ça. Mais en vrai, c'est fort contre quoi, mon noble dev là? Bah, contre rampe, tu vois, enfin, contre des mecs qui veulent faire des trucs débiles. Sans trop faire Ah, rampe, attention aux ouais, autres, quoi. on l'éclate, hein. C'est probable. Rampe, on fait, tiens, donne-nous. Ouais, enfin, les meilleures sorties de rampe qui font 10 à T3, on les éclate pas. Ah, il y a match quand même, je pense. Plus que contre un mec qui dit, tiens, je te défausse, je te Oui, contre, je te tue tes permanents. il est vrai. Oh, lui, il joue, tu vois, il joue un fabuleux passage sans qu'il va jouer un truc ok, tu vois. Ouais. Parce que là, on va faire Cura dans Hibou, Into, Lotus, d'étape, Land. Blablabla. Il Tu ah, y a vois? moyen, il hein. Tassa. Qui Y a pink moyen. Hibou. Oh, non. Non. Ah. On sait pas, il peut jouer Constellation aussi. Hein. Ouais, tu commences par île Fontaine Sacrée en constellation. Non. Ah putain, mais pourquoi il joue tout ça, quoi? Mais tu sais, on peut juste faire une vidéo expérience, hein. Pourquoi Mono Bleu ne marche pas? Tu vois? Ouais. C'est ce qui se passe en vrai. Vas-y, bourre. Hibour. Pourquoi Mono Bleu, c'est de la marde? Il m'a saoulé lui, j'en veux un autre. C'est bon. Crois que c'est pas mon rang. Oh mon dieu. J'aurais pas de concept comme Mon ça. dieu que c'est pas mon rang. On a bien fait, hein. Mais peut-être que ça marche mieux en ladder, hein. Non. Une game de B1, ça coûte quoi, Vol? Non, non, non. Viens, j'essaie. Je peux? Et si tu penses faire mieux? Non, Ça va franchement, m'énerver, non. hein, si ça marche. Hein. Si tu vois que ça marche, laisse-moi la souris, s'il te plaît. Ouais, ça Je va. veux faire ça, là, et tout ça. Ok, ça va. Les decks combo cherchent à lancer des sorts qui fonctionnent en synergie afin de produire des effets puissants. Oui, mais il faut pas jouer de contre dans ce Zach, non, c'est cas-là. pas cherche à lancer, c'est cherche et lance. C'est-à-dire. Et ensuite. Tu vois? Tu pioches, comme ça. Boum. Et hop, tu distribues. Oh, elle est trop bien cette main. Pas vraiment. Mais pas du tout, en fait. Bah ouais. T'as que les drop 4. C'est mieux ça. Parce que tu scry quand même avec le scry 2 avec Oracle, hein. Donc ça reste ok. Is ok. Isoké, ouais. C'est le frère d'Isoka, je crois. Non. Isoka. Ah! J'aurais peut-être enlevé un jeu de traîtrise, moi, non? Bah, en fait, il y a des. Ouais, tu peux voler un land en vrai. Voilà, il y a des matchs où ça fera rien alors que ça fera toujours un truc. Pas faux. Il est où tout ça, Du coup, arrêtez de jouer tout ça. Surtout en non classé. Eh ouais. Eh ouais. Il joue tout ça. J'ai envie de Oh, chialer. fuck Après, me! la version enchantement joue que 4 absorbes. Genre que. Donc, c'est-à-dire Ouais, que. bah, c'est-à-dire qu'on en a pris un juste avant, quoi. Ouais, tu Bah, peux jouer je oracle. crois qu'on va. On va aller oracler, pardon. Tu choisis celle à mettre au-dessus et l'autre en dessous. Bah, tu peux mettre le land, je crois. Ouais. Enfin, tu choisis une à mettre au-dessus et le reste en Ouais, dessous. tout le reste en dessous. Ok. Bah, en gros, ces versions-là jouent pas tant de contre que ça. Du coup, c'est ok.
Oui, c'est bien. C'est fort ça, hein, par contre. Hein. Soif de sens. Pff. Tu pioches 3, tu défausses 1. Ok, merci, quoi. Jambon. Le bon jambon. Pas de phase d'attaque. Non. Et pas de phase de d'étape. Mais il a peur qu'on joue des contres aussi. Et il va comprendre là. Il va vite Par contre, comprendre qu'on il va n'en se joue dire, ah pas, non, nous. mais le mec il fait rien en face là. Le mec il dort. Il pose des îles et il les engage toutes. Oh, c'est bien trouvé ça. Allez, joue-le comme ça, il est contré. Ouais. Il a 4 absorbes, hein. Faut les passer, quoi. Ah, tu vois, il a pas, hein. Il a pas son absorbe. Ça résolve. Donc on a 1, 2, 3, on a 3 de dévotion. Des tables lotus pour pouvoir faire emprunteur au cas où. Ouais. Deux tapes. Ok. Is ok. D'ailleurs, tu peux faire curage d'étape. Chaque film à curage d'étape. Tu peux faire genre 25 Tu peux mana, faire quoi. de la... Ouais. Là, ça aurait fait rien. Mais... Là, ça aurait fait rien, Un mais petit tu vois peu, que ouais. tu peux. Mais là, on a Argent Traîtrise déjà, hein, le tour d'après. Hein. Banishing Light, Mais attends, je ok. vais peut-être bouncer la carte Moi, qui ouais. veut nous banish. Maintenant, tu vas bouncer Banishing Light. Ah ouais, ça c'est un peu chiant, quoi. Ah, t'es déçu, Zach. S'il fait land et il le rejoue, C'est pas grave. fait chier. Elle a passé son tour à ça et nous on a Agent de Traîtrise up pour lui voler une 0-4. C'est de la merde. On lui vole le château d'Arnval. En vrai, ça va. Hein. Ouais. Sauf qu'on le fera jamais, nous. Bah si tu fais plein d'argent, tu vas finir par le voler, hein. Est-ce qu'on peut avoir un payoff? On peut aller. Tu peux scry 2. Ouais, mais on pourra le faire fin de tour parce qu'on n'a pas de quoi piocher. Non, moi je dis agent, là. Normalement, il n'y a pas de réponse à agent. On fait agent Tu piques un ici. land, ouais. C'est fatigué quand même, non? Quoi qu'on a Tassa pour le réutiliser, mais je vais aller scry à l'upkeep par contre. Ah ouais, Ouais, au non, cœur de la mer. Tu peux lui pas. piquer au cœur de la mer pour encore pour sacrifier pour Scry 2. Tu préfères piquer quoi? Ouais, plutôt au cœur de la Tu mer, parce préfères que piquer ça, en Croc? vrai, nous on s'en fout un peu. Si on peut pas l'utiliser, on s'en cague. On va récupérer ça. Tu détapes le Lotus Ouais. et tu auras assez de mana pour faire Château de Ventresse 2, ou 3, 4, Augure. 5, 6. Ouais, bah Château de Ventresse, ça sera bien déjà. Ouais. Tu vas pouvoir recommencer à beat down aussi ton prochain potentiellement. Ouais, je pense qu'on gagne pas à ça de toute façon. Vas pouvoir commencer à mettre 1. Ah ouais. Ah, c'est bien, le beatdown c'est plus d'un. C'est Bah bien. c'est un ou plus. Ok. Ma merde lui. Compris? Ma merde. Je vais prendre 6 mana en réponse. Ouais. 6 mana. Oh, tu peux faire un vert aussi. Ah ouais. Ouais, si, vas-y. Oh ouais, c'est. On résout. Et on va faire château. Non, tu fais augure. Bon, je pense pas. Si tu fais augure, tu peux faire emprunteur. Ok. Attends, si tu passes, t'as plus de malin. Oh, ça dégage les deux. Bah, il nous faut des Gadwick en fait. C'est vraiment Gadwick la clé du match. Emprunteur. Comme ça, Un il me fera la meilleure rendez-vous. race. Moi, je m'en fous de prendre à ça. Si on tape deck Gadwick, on va être déçu. Hein. Ouais, non, puis juste, je crois. Je crois en l'âme des cartes. Elle était bien. L'âme des cartes. Je le bourre. Ah, vas-y, bourre. Je le bourre sur des palettes. On va prendre 4. Hein. Allez. Ouais. Allez, Mais Zach, 4 est un bon beatdown, s'il te hein. plaît, réagis, please. Là, tu fais land, château ventresse. Non, 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 château ventresse. Et on le détape, c'est Et on ça? détape, ouais. Attends, t'as assez de mana ou pas? Bah, je crois pas en fait. Mais non, pas assez de mana pour Mais faire non, mais ça. tu comptes, t'as plus de Mais j'ai lotus. plus le lotus, donc Bah, ça ne sert à rien. passez le tour. Mais avec lotus, tu pouvais faire château ventresse, Ouais, full deux étape fois, ouais. et je fais C'est deux fois. sûr. Mais on n'a plus la meilleure carte du jeu. C'est fou, il nous counter avec juste une lumière de bannissement. GG. Les decks mono-synergiques, ça. Ah! Non, mais en vrai, là, on est bien. Ouais, bah il faut juste arrêter de piocher des îles, mais normalement on doit Bah, arrêter. Tassa ou Gadwick nous font instantanément win si jamais ils touchent le sol, en fait. Faut qu'ils touchent le sol. Ça fait plus rien du tout, du coup.
Si Gadouille fait Gadouille, ça fait toujours le taf. Mais t'as ça du coup. Elle fait quand elle arrive en jeu. Il peut pas absorber en plus, donc ça serait. Ah c'est peut-être pas mal ça. Ouais, c'est bien. C'est une bête qui va chercher autre chose, qui va se chercher elle-même d'ailleurs. Ok. Parfait. Ouais. Ok. Quand on a mis une 3-3 fly, qui pêche une 3-3 fly. Je veux des Gadwick. Donnez-moi des Gadwick. Please. Donc en fait, ça va chercher 12 cartes dans le pack. Le hibou, c'est quand même très très bien. Ah, là, je veux plus de Gadwick. Sauf si on peut aller lui mettre un coup de hibou. Il n'y a que des decks control en fait. Oui, il n'y a que ça. Mais c'est insupportable. Chez gros, je découvre. Parce que des decks control, c'est bien que ça existe. Mais s'il n'y a que ça. Bah, en ladder non classé, c'est ça le problème. On adore donc classer en plus, c'est vraiment. Ah, parce qu'en ladder normal, il y en a, mais pas que ça quoi. Mm. Regarde comme il l'agresse là. Il a regardé méchamment. Bon chien. Allez, mange-le. Tu lui lances un steak comme ça au pied du type. Tiens, bouffe tout là. Ouais. Bah, ça pioche pas donc. Ça ne fait rien du tout donc ouais, tu fais hibou. Après, il y avait l'upgrade de dire, ah, mais au moins t'as ça, elle passe, tu vois. Ouais. Je commence à avoir très faim. C'est vrai? Pour rien me cacher. Ah. Eh bien, ce hibou. Téléprix qui croit hibou prendre. C'est horrible ce qui se passe quand même. On n'est pas loin de gagner cette game et on va juste pas la gagner. Et on est très proche de la perdre. Ouais, ouais, on va pas la gagner, je le sens. Bon, c'est pas grave, on va relancer jusqu'à gagner une game, je crois. J'avais l'espoir de manger aujourd'hui. Tu vas manger, t'inquiète pas. Ah ouais. Ça va, midi 40. Et du coup, je suis rassuré que. Tu puisses pas faire non plus de trucs, tu vois. Moi, on m'a interdit le fun, mais toi, on te l'interdit aussi. Oui, c'est vrai. Après, il y a un moment, il faut quand même que cette vidéo ait une finalité, tu vois. Mais c'est un test, comme tu l'as dit. La finalité, c'est. Je crois que tu peux concéder avec Chariot Surf. Je regarde. Bah, en vrai, si on a Gadwick, tu t'en fous de Chariot, tu engages tous les tours. Non. Ah, si, tu proposes un spell, je l'engage, il va dire ouais, ok. Ouais, si tu joues plusieurs spells. On voit que ça va bien chercher là, ça va chercher dans les 7 cartes du dessus. Enfin, il y a plein de moyens, si tu fais un peu d'effort, de battre cette chariose pour le coup. Mais est-ce qu'on veut faire des efforts? Ah bah oui. Oh ouais. Gadwick. Allez, viens là toi. Et tu peux. Ah, je joue pas hibou du coup. Non. T'as ça. Prends Absorb, go. Ouais, bah je prends Absorb. C'est Gadwick qui le prend pas. Et on peut d'ailleurs reblinker Oracle de Tassa, si on le souhaite. Ce qui sert à rien. Ah, donc on pioche une carte. Ah, mais elle arrive créature, donc doute. Donc on pioche pas de carte. Est-ce qu'on a un spot ici? Non, on va juste passer le tour. Ok. Tu blink un truc ou pas? Non, je crois pas, sinon on perd notre Gadwick. Si tu blink Oracle, non. Ah, mais ça sert à rien, on va juste bottom des cartes derrière. Ouais, on confirme 0. Ouais, ça a pas d'intérêt. Non, on ne fait pas ta capacité, petite Tassa. Pareil, tu vois, genre Charieuse, bah je paye 4, ok, je l'engage. Ah ouais. Donc en fait, on bat vachement bien Charieuse si on le souhaite, quoi. Mais est-ce qu'on le souhaite? Elle est magnifique, cette plaine. Alors là, il va exiler Tassa ou... Moi, ouais, je pense Tassa, hein. Franchement, il n'y a pas le choix. C'est ce qui nous, c'est ce qui l'empêche de nous battre avec cette Charieuse. Mm. Après, je pense qu'il nous charrie. Doublibou, ça trade aussi, donc ça va. Doublibou. Par contre, c'est pas légendaire, il peut en avoir plusieurs sur le board. Il peut en avoir une chier. Il peut en avoir une petite chier, ouais. Après, nous, on va pas gagner au PV, donc c'est pas trop grave. Il nous reste 44 cartes, on va pas trop avancer. On a pas avancé du tout, je crois. Faudrait que ce deck joue Nexus, tu vois. Oui. Ça serait bien, hein. Oui. Est-ce que Oracle de Tassa n'est pas genre une bonne condition de victoire de Nexus? Bonne, je sais pas, mais c'en est une en tout cas. Hibou! Bah, pas Gadwick là, tu draws 2. Bah, c'est que Hibou ça trade ça. Ah, c'est un prank qui est venu à Narset. Ouais, en plus. Par contre, il nous laisse aller tuer Narset? Ah, bah, du coup, tu peux peut-être aller tuer Narset et Hibou. Gadwick. Ouais, vas-y, on va lui proposer. Ah, je mets les deux dans Narset par contre, hein, je veux être sûr. Ouais, tu pouvais faire Narset et TF sinon. Ouais, mais s'il a interaction, c'est lui qui choisit ce que je fais. Ouais. Et ça m'emmerde un peu. Ok, on en a une autre. Que du 4-3. Hein. Du coup, Gadwick. Hein. Mm. Ah non,
Ah, attends, avant, je vais faire d'abord. Gadwick à 4, bien joué. D'abord un petit coup de Cura. Ça mange pas de peine. Si ça passe, on est dedans. Ouais. On est in-game. Il y a beaucoup de joueurs, quand tu leur dis phase d'attaque, ils disent on est dedans. Ouais, non, ils disent t'es dedans. Ou t'es dedans. Tout Je dépend. suis dans S'ils quoi? s'incluent dans la phase ou pas. Dans quoi je suis? Dans la phase. Bah, il s'inclut dans la phase quand il a des bloqueurs, quoi. Yes! S'il a pas de bloqueur, c'est genre, ouais, t'es dedans. C'est vrai que c'est une parole quand c'est dépité, plutôt. Moi, je fais combat. J'aime beaucoup. Battle step. Combat step. Écoute, on va juste tirer une conclusion à cette vidéo après. Après celle-là? Ouais, je Je pense pense. qu'une ultime, Ouais. c'est genre. La ultime, elle s'impose. Parce que les gens, c'est vrai que récemment, on fait pas trop de games de trop, tu vois, ça se passe bien Ouais, et tout. bah là on a fait plein de games Je de trop pense qu'on pour le va coup. faire toutes les games de trop de Theros dans cette vidéo. Ouais, on les condense maintenant. Nos spells vont coûter 2 de plus. Viens, on fait deux tout de suite la game prochaine. Tu penses qu'on le bat jamais, lui? Là, on va passer à 10. On perd Cura. Du coup, on reste à 15. Je sais pas, genre, j'aimerais juste voir si on top deck Gadwick ou quoi, parce que franchement, overpower ça, c'est pas dur hein, dans notre deck. Non. Après, s'il nous fait absorbe, on concédera, tu vois. Ouais. Là, tu vas faire hibou du coup si tu pioches rien. Ouais. Tu vas tuer un hibou? Okay, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu joues, Zach? Qui est cet homme? Ouais, je regarde la carte du dessus et on dégage. Dégagez! Allez. Ça dégage. Allez, à plus. Allez, je vais essayer. Allez, réessaye. Putain, c'est toi qui as fait cette game, j'ai l'impression que t'en as fait plus que moi. Mais tu sais que. Il faut pas. C'est pas jouer le problème, c'est matcher le bon adversaire. Donc faut juste que Là, tu là. cliques bien, ouais. Là, je l'ai. Là, j'ai le bon. Alors, genre là. Tu vois, genre, Ah, c'est même. la carte qui m'a donné Lancelot, ce hibou là. Fou. Genre, mono noir dev, ça passe, tu vois. KKK0303. Attention avec ces genres de pseudo. Ok. Nickel. Qui peut? On a nos On n'en demande manas. pas On peut plus. commencer une game aussi? Oui, bien joué ça. Ah, on a commencé par le game, T'as hein. fait le meilleur start, hein. Oh là là, c'est vert en face. Oh là 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 là. Ça, c'est le meilleur start. Si on gagne pas celle-là, c'est définitivement a shit deck. Je boune ça. Si tu bounces ça, ouais, je pense. Vas-y. Et je lui dis chais. Ouais. Définitivement un deck de marde si on gagne pas cette game. Ouais, celle-là, elle est pour nous, sûr. Oh là là Ah là ouais, là, là, il veut c'est faire trop des bien ça. Megazords, y a pas de problème. Il veut jouer dans son coin, ben moi, j'adore jouer dans mon coin aussi. À moi Tu l'interaction, vois. zéro. Walou. Prochain tour, Comme c'est Jesse Gadwick James, en pioche de cartes. zéro, nada, pas un centime. Gadwick ou hibou prochain tour? Plutôt hibou. Je vais faire Gadwick à 2. Hein. Sais qu'il joue un draft. Ouais, mais un bon draft. Ouais, un draft de qualité, quoi. U. Ok. On peut bloquer avec notre emprunteur si on le souhaite, donc ça va. C'est quoi la spécificité de l'enchantement, pardon? Ça là? Ouais. C'est plus 1 plus 0 piétinien. C'est tout? Ouais. Oh bah, hibou, c'est bien, non? Hibou, c'est bien. Hibou, c'est pas mal. Ça. Ouais, je Ah, je pense. veux faire 2000 Ouais, mana vas-y, vas-y. et lui Mais voler. gros, il peut jamais gagner contre nous. Je veux lui voler sa recette comme anti-piaque. T'es pirate. Et ils ont volé notre recette. Yes, comme quoi c'est le meilleur deck mono bleu en fait. Putain, je suis content, on va lui voler tout son board là. Là, je vais faire Nick, je détape, j'ai 5 Et gros mana, 6 Gadwick. mana, gros Gadwick et Et derrière, Ah c'est la plus là là. grosse masse manipulation forever. Et il peut faire voix de l'été en réponse. Non, non, non. Faut Vas-y. juste qu'il ne nous tue pas, mais j'ai pas l'impression qu'il va nous tuer tout de suite. Ouais, j'ai un peu peur du tour d'après. Mais ça va. Ouais. Le Disons tour que là, d'après, si on c'est passe le tour, comme le jour d'après. Enfin, si on passe le tour, ça va le faire. c'est tranquille. Bah, de champ, hein. Ouais, il veut gagner ses pèves, juste. Heal. Île Lotus, d'étape, Gadwick. Oh, il y a un plan, là. Alors 5, 6. Donc XL 3. Ouais. Je peux aussi voler championne, mais bon. Non, non, non. T'inquiète, on fera beaucoup mieux le tour d'après. Beaucoup, beaucoup mieux.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Bah ouais. Combien on fait de mana là? Il vigile pas. 8, 9, 10, 11, C'est écrit. 12, 13. Ah, en tout, ouais. Bah beaucoup plus en fait, on fait 16 16 mana. et 4, On fait 21 mana. 21 mana. Donc là, on peut prendre tout son board. Mais Oh, ça tout. va vite, hein. Mais vraiment, mais tout, 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 tout. C'est quoi tes bêtes là? Tiens, je les vole. Si tu peux les faire plus gros, s'il te plaît, vas-y, augmente. Buff les bien toutes là. N'hésite pas. Et avec le mana qui reste, je fais juste à ça, je pioche une carte sur championne. Gros toi mon C'est le meilleur con, deck. caca, tu vas prendre pour tous les autres. Il s'appelle Kaka. Ça t'apprendra à Kaka. Ah là là, ça c'est la game de trop, mais pour notre adversaire. Comme disait Chabest, je vais lui mettre le nez dans son caca. Oh, j'adore. En faisant comme ça là. Je vais lui mettre le nez dans son caca. Arrête de jouer des cartes, tu m'énerves, caca. Vraiment, là, c'est juste perte de temps. Allez, montre-lui. Oh, je vais tout Oh, prendre ça là. fait pas bander, là? Rien à foutre. Bah ouais. Ça fait pas bander, mais du coup, ça fait bander. Ah ouais, Parce que de ouf. d'habitude, ça fait pas bander. Aïe, aïe, aïe. Bah, si, si. Si jamais le mec ne joue aucune interaction, Oui. tu gagnes. En fait, oui. En Voilà. fait, ce deck marche si chacun, si vous avez un commun accord de jouer seul. C'est un accord de non-agression. C'est ça. Bah viens, on s'agresse pas pour la game. Quoique lui, il Pas de va problème. agresser, hein. Bah prends. Pas de bloc. Non, c'est un accord de. Comment ça s'appelle? De non-interaction. Ouais. Sauf que nous, on interagit une fois et ça suffit. Sais, c'est genre en mode, Cast of ouais, t'inquiète, on se tape Valentress. pas. Mais toi, tu vas, toi, tu brises le pacte une fois, mais c'est gagné, tu vois. Bah vas-y, hein. Je réfléchis dans quel ordre je joue quoi. Je vais jouer à ça aussi ou pas? Plus tard, hein. De toute façon, tu t'en fous, t'as ça, tu peux la jouer après. Fais d'abord la masse manip à 1, 2, 3, 4, 5, donc AX égale 10, donc 14. Et Parce qu'en fait, derrière. ce que si je mets des trucs avant, ça fait plus de mana. Moi, j'en ai déjà trop. Ouais, ça me cague. Je peux faire de la dévo Et là, blanc tu l'as aussi. fait à X égale 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, exact. Non, t'as payé 9. Hop là, pop, hop, 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 hop. Oh là là, attention. Ah mais non, mais Ah du oui, coup mais il c'est faut faire double x égale X. 5, ouais, c'est bon. Faut faire payer ce x égale 5. Ah ouais. Putain, nous, on voulait tout prendre, quoi. 2, 3, 4. Ah, il y en avait une autre. 5. Ah bah du coup on la prend aussi. Ah prends-la, Annulé. hein. Ouais. Ah bah prends tout quand même. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 10. Ouais, parce qu'en fait, on aurait dit Ok, elle était enchantée. qu'elle était enchantée, ouais. Et bah engage-lui rien. Incroyable. Il Ah a le. joué et on a juste pris son plan de jeu. Et Ah du coup, il avait frère, perdu. fais voir tes cartes. Et tu sais, le mec croit que tu la lis. Tu fais non, Donne. non, fais vraiment voir en fait. J'avais l'impression, regarde. Alors, simulation de la partie, c'est une carte magique. Toi, tu es l'adversaire, vas-y, tiens ta carte. Ouais. S'il se passait ça, donne. Donne! Et toi, tu voulais pas. C'était vraiment ça, genre, allez, Ah, j'ai adoré. donne-moi Lui, tes il a essayé cartes. de faire un Megazord. Et nous, on a dit, ouais, bah ok, bah file-moi les clés. Comme ça, c'est moi qui conduis. Attends, je te le gare, le Megazord. Sauf qu'on se barre avec. Et bah, du coup, c'est le meilleur deck. N'hésitez pas à craft ça en masse. Faux. Surtout pas. N'hésitez pas à mettre un Surtout pouce bleu, pas. commentaire, partage, abonnement si cette vidéo vous a plu. Également, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description avec notre chaîne YouTube, Twitch, ValpellMagicArena.fr, surtout n'oubliez pas, c'était C'était de de la la belle belle magie. magie.